Pour faire une bonne passe, retenez ces trois étapes. Se placer, se préparer et renvoyer le ballon. Premièrement, se placer. Arrêtez-vous sous la trajectoire du ballon pour qu'il tombe directement vers votre front. En cas de contact, tournez vos pieds, hanches et épaules dans la direction vers laquelle vous voulez passer la balle. Deuxièmement, se préparer. Avancez légèrement le pied situé près du filet. Fléchissez légèrement vos genoux et gardez le dos droit. Pliez vos coudes à environ 90 degrés et élevez-les juste au-dessus de vos épaules. Placez vos mains au-dessus de votre front. Tenez vos mains ouvertes à 15 cm l'une de l'autre. Les doigts relâchés et légèrement courbés, les poignets fléchis. Tournez la paume de vos mains vers l'avant jusqu'à ce que les pointes de vos pouces soient face à face. Avec vos pouces et vos index, faites un triangle au travers duquel vous pouvez voir le ballon. Troisièmement, renvoyez le ballon. Quand le ballon arrive au-dessus de vos yeux, poussez sur vos jambes pour vous grandir le plus possible. Au moment où vous touchez le ballon, effectuez une rotation des poignets et des paumes de l'intérieur vers l'extérieur. Poussez ensuite fort avec vos doigts et tendez vos bras vers le haut. Une fois que vous avez appris ce geste, entraînez-vous avec des exercices. À vous de jouer !